Sur les turbos pas lundi. Et sûrement 10 h. Oh là là, j'en ai pris une hier soir. Faut que je vous raconte. J'ai eu une soirée tout à fait étrange. Je vous fais voir ça tout de suite. Alors, je me baladais tranquille pour rentrer chez moi. Et puis, sur le chemin, je sais pas ce qui s'est passé. Bonjour, je savais rien. Il y avait des trucs bizarres. Peut-être j'ai un peu picolé, je crois. Mais je sais pas. J'essaie de marcher droit, ça marche jamais, ça m'énerve. Voilà. Et donc, j'étais tranquille, pas loin de la maison, quoi. Et là, qui c'est sur les chiens? Et madame, monsieur, vous faites quoi? Oh, que. Mais. Bonjour? Ouais, trêve de bêtises, après cette intro, faut que je vous dise quand même un grand truc. Je suis amoureux, ça y est. Oui, j'aime les gros pixels, vous le savez depuis toujours de toute manière. Et donc, ce titre, Annie, c'est franchement une surprise assez incroyable. Alors, j'ai déjà testé des jeux avec du voxel et du gros pixel comme ça qui étaient utilisés de manière originale avec Stan et Winston, il me semble. Mais arriver là-dedans, c'est vraiment une grosse surprise parce que. On se retrouve projeté quasiment dans un film de zombies à cheval entre du Romero et du Carpenter. Donc du coup, il y a plein de choses qui sont super clichés, mais c'est traité d'une nouvelle manière, puisque regardez-moi ce pixel love. Ah oui, donc là c'est du voxel love carrément. Alors je rappelle que le voxel c'est une technologie qui permet bah, en fait d'utiliser des petits carrés comme des Lego pour faire des assemblages rapides et utiliser pas mal de random. À l'époque c'était utilisé pour les simulateurs surtout, pour faire les décors. Et voir ça utilisé là-dedans de cette manière, c'est assez délirant. Je vous ai mis l'eau à la bouche. Ouais, bah, je vais pas vous faire voir ici, c'est vachement loin dans le jeu. Non, on va commencer par le vrai début. Oh. Je vous laisse, je crois qu'il y a un truc qui arrive. Oui, bienvenue dans Annie Last Hope. C'est un jeu qui est absolument incroyable. Pour beaucoup de choses, déjà pour la première chose qui met en œuvre, la technologie voxel. Souvenez-vous, le voxel, c'est ce dont on se servait à l'époque, qu'on avait des machines pas assez puissantes pour faire de la 3D et générer des décors assez fouillis et complets. Et donc il utilise ce principe, bon pour résumer ça ressemble un petit peu à des Lego, ce qui fait qu'on se dit, ben c'est pas très très précis, mais en fait détrompez-vous, regardez-moi ça comme c'est détaillé, c'est assez incroyable non? J'ai envie qu'il fasse un GTA avec ce moteur en fait secrètement. Sérieusement. Donc vous avez vu ce qu'on arrive à faire avec du voxel aujourd'hui? C'est assez incroyable, c'est exploité d'une manière assez intelligente je trouve. Et vous allez voir dans quelle aventure ça va nous emmener. Vous aimez les films d'horreur, les films Z? Vous aimez les films où il y a du gros héros musclé avec des situations relativement calibrées qu'on voit venir, mais c'est tellement jouissif à chaque fois qu'on ne peut pas dire autre chose que Amen.
Alors oui, il manque juste les dialogues qui soient parlés, ça aurait été génial. Mais bon, on va pas trop en demander, regardez-moi ça, ce Pixel Love plus ce Pixel 3D Love, ce Voxel Love donc, c'est assez délirant. Et les gars se sont amusés à faire un univers qui fourmille de détails, qui est assez rigolo. Et devinez quoi? On va probablement tout casser là-dedans, je pense. Oui, vous le sentez venir le scénario? Bougez pas, ça arrive. Une petite mise en situation puisqu'on vous présente les protagonistes. Ah, ce sont les seconds rôles, hein, je vous rassure. Ils vont probablement mourir, je ne sais pas. Je spoil pas, je sais pas. On verra bien. Et donc notre héroïne Annie Last Hope va vite se retrouver dans une situation pas très confortable, comme on dit. Non, pas à l'arrière d'un van. Salut à toi, Kevin. Alors, je sais pas si vous avez remarqué, mais c'est quand même bizarre toutes ces petites bestioles qu'il y a de partout. Le chat. Elle arrive mon complice, Jack. Car on va jouer Jack. Bien que le jeu s'appelle Annie Last Hope. Ceci dit, Jack va être bien content d'avoir Annie comme binôme, puisqu'il va se révéler des moments, des situations où elle sera fort utile. Ça vous rappelle quelque chose? Non, moi non, pas du tout. Non, non, rien du tout. Il faudrait que je trouve une barre à mine, ce serait pas mal, non? Oh oh, on va peut-être y aller. Oula. Oui, je suis Jack, je suis l'homme de toutes les situations. Et ça va super bien se passer, comptez sur moi. Salut les gars. Ah oui, distribution de pruneaux, c'est au programme d'aujourd'hui. Regardez-moi ce bordel. Alors, les temps de rechargement vous procurent une certaine angoisse dans ce jeu. Parce que, bah, ils sont longs. Et du coup, il y a des moments où vous dites. Il y a des moments où vous vous dites. Vous vous dites comme moi, tout simplement. Voilà. Donc, ça, en plein milieu d'une mêlée, ça risque d'être un petit peu douloureux. Je le dis d'avance. Surtout que, bah, niveau Zambos, on est un peu dans zombie land, quoi. C'est. Il y a du monde. Il y en a certains, ils sont plus costauds. Alors je peux leur mettre un petit coup de pied dans la tronche pour les retarder un peu, mais c'est pas aussi efficace qu'une bastos. Ça va, monsieur l'agent? Oui, on a remarqué qu'il y avait des crabes de partout. Il y en a certains, ils sont plus méchants que d'autres apparemment. Il faudrait une énorme bouilloire qu'on fasse un gombo géant. Oui, je veux bien ton gun, mon ami. Vas-y, Annie. Va te mettre à l'abri. Je gère la situation, regarde. Salut! Ah, que ça fait du bien. Alors, ce qui est très rigolo... Ah, le chargement! Ce qui est très rigolo... C'est que... je vais finir la seule vague, parce que je crois que je vais avoir des problèmes. C'est que c'est très saignant, mais c'est juste des kits carrés. C'est des Lego qui explosent. Il n'y a pas de cervelle. Ceci dit, on a exactement la situation. Donc du coup, je sais pas comment ils sont débrouillés niveau censure. Il y a moyen que ça passe pas mal, quoi. J'ai failli te tirer dessus, Annie. Sors pas comme ça à l'improviste d'un coin. T'as failli te prendre une balle entre les deux yeux, là. Et c'est une mitraillette que j'ai en plus, alors ça craint.
Ouais. Fais très attention, Annie. Ce serait mal qu'il y ait une... Une explosion. Alors je suis content, le héros s'appelle Jack et je ne peux pas m'empêcher de penser à Jack Burton, mon anti-héros favori. Un grand Carpenter. Si vous l'avez jamais vu ce film, je vous recommande de le voir parce que c'est un grand n'importe quoi à des moments, mais justement c'est ce qui le rend adorable. Il y a certains qui trouvent que c'est un nanar, moi je trouve que c'est un grand chef-d'œuvre de Carpenter parce que avec des trucs qui font un petit peu flipper, on se marre tout le long surtout. Et puis il y a une façon de narrer la culture asiatique qui est assez géniale dedans. Très caricatural. Et là on va apprendre à faire des dodges. Non, pas les voitures, mais on va apprendre à les esquiver ces voitures justement parce que ce serait mal. Je veux bien aller là moi. Ça va mal se passer, je sens. Il y a du monde quand même, hein. Bon, si je crois bien. Regardez-moi cette purée. J'ai plus de balles, j'ai plus de balles, j'ai plus de balles. J'ai plus de balles. Oh, et je suis mort. Je vous avais dit, un petit problème peut devenir énorme. On va y arriver cette fois. Mais ouais, regardez Jack Burton, je vous le recommande chaudement, ce film est à se pisser dessus. Et il y a des répliques dedans qui sont très beaux, et qui sont d'autant plus jouissives. Attention, hop hop hop. Je vais rester en bas de l'écran parce que les bagnoles, si je m'en prends encore une, je vais avoir l'air là. Cake! Cassez-vous, bande de mimes! J'ai plus de munitions! Non! Je vais me barrer là, je vais me barrer là. Laissez-moi me barrer ici. Ah! Allez-y les gars, mettez-vous là, mettez-vous là, mettez-vous là, il y a bien une bagnole qui va finir par arriver. Coucou! Pourquoi elles viennent pas ces bagnoles, nom de Dieu? Ah voilà, c'est parfait. Je me casse courageusement comme d'habitude. Vous connaissez mon talent pour la fuite. La fuite fière. Et qui voilà? Des hommes en noir. Ce serait pas en train de tout mélanger. Ces hommes en noir, non, qui ressemblent pas mal à un film de Tarantino. On y va, faut que je retrouve Annie. Je suis pas là pour rigoler. Tiens, sale revue. Et du coup, le jeu est très très surprenant parce que ça reprend tous les classiques de zombies. Ça cherche pas à faire dans l'originalité. Et c'est damne marrant en fait. L'action est pas mal foutue. Et il y a une confusion qui respecte la tradition zombie, hein, c'est-à-dire le débordement. On finit toujours par se faire déborder à un moment ou à un autre. Et suite au débordement, qu'est-ce qui s'enchaîne derrière? La panique du joueur normal. Je crois que c'est Annie qui est tout en bas. Annie, c'est toi? Si c'est toi, lève une patte. Sinon, je tire. Parce que j'ai plus trop confiance en quoi que ce soit là. Alors, où est ton père? Dis-nous tout. On va aller chercher ton daddy. J'espère qu'il n'est pas transformé en décérébré, aux yeux verts. Il faut que je trouve des munitions, moi c'est important. Alors, pour trouver des munitions, va falloir un peu péter du décor à coups de pied. Parce que souvent, il y a des bonus qui sont planqués dedans. Son père qui est redescendu à son bureau juste pour récupérer le pognon. C'est matérialiste, décidément. C'est pas eux qui nous sauveront. Hein. Peu importe le moment, la situation ou quoi que ce soit d'autre. Bonjour. J'ai encore des munitions ou j'ai plus rien du tout, moi, du coup. Ouais, il me reste des bastos dans mon revolver. Tête, tête, tête. Je me méfie de tout, moi. Paranoïaque? Non. Méfiant, ne confondez pas. Je prends des bouteilles de je sais pas quoi, mais ça finira par me faire du bien. Hop, 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 on va aller voir par là-bas si j'y suis. Bah oui, bah je fouille moi, je sais pas où il est son père. Il doit être dans son bureau, c'est sûrement pas là. Mais rappelle-toi, Fonzie, il... Bonjour.
Fonzie, il avait un bureau, c'était des toilettes, hein, si on se souvient bien. Bon, alors c'est pas tout neuf, hein, mais vous êtes sur une chaîne Midlife Gamer, vous êtes censé connaître les références. Si vous ne les connaissez pas, c'est qu'il y a encore un pan de votre culture qui reste à fabriquer. C'est peut-être une grosse courante. Une pizza m'a attaqué. Alors, il y a plein d'objets à récupérer, je sais pas pourquoi. Quoi? Je crois que mon pote il est trop cuit. Ah, la gamine se défend bien. Tiens, ça cadeau. Ça cadeau, en deux mots. Oui, des Playboy, il faut les récupérer, c'est important. Je suis désolé, hein. Alors, où qu'il est ton père, gamine? Où qu'il est ton père? Ça va, pompier? Non, ça va pas très bien, toi. T'as pas la grosse forme. Ok. Clac. Moi, ce que je veux, c'est des munitions. J'aime les munitions dans ces jeux-là. Et j'ai pas envie de tomber à court. Regardez-moi comme c'est mignon, comme ça se pulvérise ces caisses. Oh, du whisky, ça pourrait faire du bien, ça. Hop, 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 ils vont où, là? Alors, j'adore quand le flingue fait ses clips de vide, parce qu'on prend pas le temps de recharger. Faut vraiment arrêter de tirer, et des fois, c'est sport. Munitions, j'aime ça. J'aime les munitions. J'en veux plein. C'est saignant, hein. Enfin comment on va dire, parce qu'il va falloir inventer un terme pour ça. C'est pas saignant, c'est pixelisant. Mais du coup, ouais, je trouve le jeu vraiment sympathique. Parce que du coup, il est très trash. Mais sans l'être vraiment. C'est astucieux, je trouve. Game save, c'est pas bon pour mon matricule, ça en général. J'aime taper. Ça sent le Surviving Club qui va pas tarder à clapser, ça. On va les laisser faire leur petite stratégie. Je vais leur faire croire que je vais les couvrir. Et puis je passerai certainement derrière. Derrière leur cadavre pour les achever. Vous m'achetez ça? Comment ça, je suis supposé être le héros? Ouais, mais les gars, je veux bien être le héros, mais avec les amis, les proches, après les gens que je connais pas, je veux dire. Regardez-moi les comme ils sont organisés, ils courent comme des dératés, ils vont se faire bouffer, tendez l'oreille, hein? J'ai pas entendu de scrunch, mais je doute pas qu'ils en ont pas pour long. Si j'avais été là, ça aurait été pareil que si je suis pas là. C'est la même situation qu'ils vont se mettre dedans. Il y a plein de trucs dans le décor à farfouiller. 9. Des crabes. Encore des crabes. Ok. Ordinateur, rien. Ok, tiens. C'était une mauvaise marque. Ça commençait par I, ça finissait par BM. Ouh, c'est méchant ça. Hop, 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 hop. Calmos. Elles sont énervées les pépettes là. Oh, oh. Je vais rester là, tant que j'entends. Là, je tire. C'est ma nouvelle stratégie. Elle est énervée, la petite. Regardez-moi ça, les coups de pied qu'elle leur met. Greux. No more greux. On peut récupérer des trucs, je sais pas trop à quoi ça sert. Vilain ordinateur, j'ai dit. Mais oui, ce Annie à Last Hope, c'est une surprise assez géniale. Parce que quand on voit des jeux comme ça, on a le droit de se demander ce qu'ils vont nous faire. Et c'est vrai que Stanley Winston, que j'ai précédemment chroniqué, était une chouette nouvelle quand même, même si le jeu est un peu bateau. Là, j'ai l'impression que ça va creuser un niveau plus loin. Yeah.
Allez, go to daddy. Oui, bah tu es un peu couard quand même pour une paye. Tu sais très bien que si on est sur une invasion terminale de zombies, l'argent ça vaudra plus rien. Imagine. Imagine qu'un jour on ait un virus qui se propage à vitesse grand V sur la planète. Qu'est-ce qu'on va en avoir à foutre de l'économie? Heureusement c'est de la fiction. Je veux bien ce gros jouet rouge, là, qui m'a l'air formaté pour tenir dans les mimines d'un certain inspecteur Harry. Oh oui, je veux ce jouet. Je peux l'essayer. Alors, on change d'arme en bas, ok. Pardon, c'est parti tout seul, j'avais trop la joie. Alors, faut vraiment casser beaucoup d'éléments du décor pour arriver à essayer de trouver des petits trucs bonus qui pourraient nous rendre service, comme du whisky par exemple. Comment ça, je suis gourmand. Le smiley sur le placard. Ah, la porte, l'angle de caméra est un peu bizarre là. Oui, c'est fait, t'inquiète. Oh, le soufflant. Oh oui, encore. Viens dès les ombres. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je garde ce flingue ou je m'en autorise un autre? La patate tend, je recharge. Heureusement que la coutume veut que le zombo soit très long. Parce que c'est pratique. Mais je ne doute pas que la situation va évoluer. J'ai pas dit empirer. Mais la situation va probablement se modifier. On peut aller faire un petit tour de métro? Non. Alors, c'est très rigolo parce que. Quand j'ai découvert ce jeu, je me suis dit, il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose. Oser faire un film d'horreur en jeu, ça c'est déjà vu. Mais le faire comme ça, en voxel. Oh, le gros morceau, ça c'est un tic, une tic, un tic, je sais pas, mais ça va nous tuer tous. Ce comité d'accueil ne me semble pas très, pas très. Je vais me taire, on va laisser place à l'action, hein. Ce sera plus simple. Alors, il y a beaucoup de blabla aussi, c'est rigolo. Oui, on a remarqué. Jeter des grenades maintenant, c'est pas mal ça. Ceci dit, les grenades, je dois pas en avoir 10 000. Deux. Ouais, c'est pas 10 000, effectivement. Un petit bonus là. Voilà. Le jeu est assez troublant parce que c'est pas très très clair souvent où on doit aller. On vous donne une indication, si vous savez pas. Tant pis pour vous. It's raining men. Non, alléluia. Non, it's raining zombos. Allez, pas boss. Regardez-moi les là-haut, je les ai vus. Je crois bien que j'ai vu des non-amis. Ah! Oh, ce bordel! Alors, à nouveau Zombo, il m'a l'air un peu costaud lui. Ah, le rechargement! Ça m'aimait! On va sortir l'artillerie là. J'avais prévenu qu'il fallait pas m'ennuyer. Les gens ne veulent pas trop m'écouter apparemment. Alors c'est chaud chaud de changer d'arme à la volée. Hein. Ah, deux secondes, deux secondes, deux secondes.
Il a pas l'air cool lui. Ah, il est pas cool. Ah, il m'a fait la peau. Ah, j'ai plus de munitions. Dame. Ça, c'est un beau soufflon. Merci, Harry. Voilà. Annie, arrête de réapparaître comme ça, j'ai tout le temps peur. Moi, à chaque fois, c'est un coup à te prendre une balle, quoi, je te le dis. On va essayer de choper des bonus dans le décor, parce que je crois que j'ai bouffé noir de munitions. Il me manque plus qu'un sabre, en fait, pour avoir une panoplie complète. Hop, hop, hop. Je vais reprendre le flingue de base. Peut-être que ce sera bien. Peut-être que ce sera pas bien, je sais pas. On va se réfugier. Je marche au supermarché, à la supérette, ok. Et des men in black. Ou des... Je sais pas, ces moustaches, ça me dit quelque chose. Comme un mec qui me réciterait des trucs de la Bible. Non? Je sais pas, genre Ezekiel ou une connerie comme ça. En tout cas, Travolta a l'air très pâle. Alors, petit aperçu des festivités. C'est pas pour me rassurer, ça, en fait. Hein. Ok. On doit trouver le manager. Exit. Bah, ça s'exite pas, c'est closed, buddy. Salut. Ça sent le bonheur. Tiens. Tiens. Alors, où qui va être ce manager, la noix? C'est Franck les bons tuyaux. Alors je peux revendre tout mon matos pour essayer de me financer ben, un petit peu de ravitaillement en armement ou un petit bonus qui ferait pas de mal. Donc en fait tout ce que vous récupérez dans le jeu c'est pas inutile parce que vous pouvez le refourguer pour financer un bel équipement à coup de grenade. Ah ouais. Ah ouais. Alors basic weapon machin. Je peux rien en faire. Ok, on va se balader. Salut, le manager, s'il vous plaît. Lui, il est juste bourré, en fait. Ok, je vais reprendre. Ah, c'est tombé en bas, zut. Je te les laisse pas, hein. Je voudrais pas que tu fasses des bêtises avec, c'est un truc d'adulte. Hop, 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 hop. Ah bah, c'est l'endroit idéal. Bravo. Saleté de décoration d'Halloween, tiens ce que j'en fais là. Ah, 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 mais en plus c'est vide. J'arrive les filles, hein, je tire à côté et je suis à vous. Oh, faut même se méfier des placards. Oui bah maintenant j'ai peur des placards quoi avec cette bêtise. Hop. Gentil le placard, gentil. Je vais les ouvrir dans l'autre ordre parce que c'est pas très malin comme ça, je vois pas ce qu'il y a dedans. Ouh. Bou bou bou. Bou 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 bou. Comment ça, monsieur Kian n'est pas rassuré? Totalement pas.
Ah! T'es couillon, toi! Tu sais que t'as failli te manger un pruneau, le gros? Il est ouf! Bon, on va se faire une petite partie de jeu d'arcade. Non, une autre fois. Non, vraiment. Je peux même pas les casser, gros. Je sais une guitare, il n'y en a pas besoin. Faut que je trouve le manager. Where is the manager, dude? Dude. Is it in the. Is he in the. Je sais où je vais là. Est-ce que je prends quelque chose pour me remonter? Je me demande parce que je vois pas ma santé remonter quand j'amasse des trucs de coke. C'est vraiment des trucs à revendre pour se financer l'armement, quoi. Ça clignote en vert, c'est que ça doit être sympa. Non? Carton. Bim. Munitions, il n'y en a jamais trop. Oh, ça sent l'amour ici. Non, la viande. Ah, je suis confond à chaque fois. Très bien, le tournage d'un nouvel épisode de Predator là-dedans. C'est quoi ces gros trucs là? Suivez-moi les amis, je suis totalement rassuré. Le coup des robinets déviés, des lavabos qu'on peut ouvrir dans les jeux, je comprends pas très très bien à chaque fois, mais c'est bien de se laver les mains régulièrement en ce moment, il paraît. Plotch, plotch, et replotch, tiens. Alors c'est vraiment très rigolo ces effets de voxel avec qui donnent un rendu particule du coup. I can't carry more bandage. Eh ben c'est bête pour moi, on va dire. Parce que plus tu carries, mieux tu te portes. Oh, c'est une nouvelle technique, ça. Défoncer les portes, les placards, c'est mieux que les ouvrir et se faire. Bon, ça marche pas avec tout. T'es con, toi? Tu m'as foutu les fous. Salut! L'un après l'autre, dans l'ordre, il y en aura pour tout le monde. Attention, je recharge. Chérie, éloigne-toi. Les joueuses en plus. Des dollars. Ils me redonnent des dollars. C'est bien un jeu américain. T'as pas encore des dollars? Je prendrais bien 2-3 dollars. Bref. Ouais. Pourquoi pas? Mais est-ce que c'était le boss que j'ai libéré, lui, ou c'était juste une connerie? On peut plus passer là, quel dommage. Bon, tant pis pour les bandages, est-ce que j'en ai besoin là tout de suite? Allez, on va s'en faire un. Touch. Et voilà. Suivez-moi les amis, je gère la situation totalement. Tout est sous contrôle. Vous voyez ça? Quand je vais appeler là, il n'y aura personne qui va répondre. Voilà, d'autres questions? Oui, on est comme dans les bons films de série Z. Donc du coup, c'est vraiment très rigolo. Clutch. Oh, il y a encore des jeux d'arcade là-haut. Je veux jouer. Ah, c'est coincé, c'est coincé. Alors le jeu est pas très très clair sur les endroits où on doit aller. Donc c'est pas plus mal à la limite parce que ça rajoute un petit peu de temps et de sa durée de vie. Mais on tourne un poil en rond, je trouve. Ça va les gens? Je crois qu'ils n'ont pas l'air trop en forme. Eh ben voilà là, le boss du supermarché.
Oui, un scénario très, très énormément travaillé. Alors, ce qui est rigolo, c'est qu'ils ont carrément mis la musique derrière pour faire voir que c'était quand même bien bateau. Et je m'attends à un partez sans moi, je vous retarderai, ou une bêtise dans le genre. En tout cas, cette pétoire me plaît pas mal là. Oui, je l'ai repéré tout de suite en rentrant. C'est le premier truc que j'ai fait. Bah, le vieux, je m'en fous de ce qu'il raconte. Moi, je veux ce jouet. Ce formidable jouet qui ressemble tant à un fusil à pompe. Et je serais d'avis de me l'octroyer, mais sans délai. Oh oui. Oui, il est tout à moi. À moi, à moi, à moi, à moi, à moi. C'est dommage. Oh oui, vas-y, transforme-toi. Go ahead, make my day, punk. Non, c'est un vieux, on va rien lui faire. Attends, je vais faire mes courses d'abord. Hop là. Tadadadam. Tu m'en veux pas, papy, hein. T'es sujet secondaire. De la thune, je prends. Oui, je suis un petit peu. Ah, petite balle. Vu que je vais t'en mettre une, il faut bien que je récupère. Oh, regardez le beau joujou que je viens de récupérer. Tu es prêt? Attends, j'ai pas fini, il y a peut-être des trucs là. Je fais durer un petit peu. Bah, c'est comme dans les films de cette catégorie. Hein. T'es prêt? Sûr? À 3, 1. Oui, je fais tout le temps ça. Alors, retrouvons Annie. Où c'est qu'elle est partie? Donc le jeu, comme vous l'avez vu, c'est un truc de fou, quoi. C'est complètement barré. Et en fait, il n'est pas du tout aussi simpliste qu'il le fait croire. Et il y a une utilisation de la technologie voxel qui est vraiment très très rigolote et super bien foutue. On a l'impression que derrière, c'est des demo makers qui ont maîtrisé ça avec brio. Ça va être le bordel dans 3, 2, 1. Qu'est-ce qui se passe? Calmons-nous! Ne pas paniquer, surtout ne pas paniquer. Non, je te parle pas toi en fait. Non, je te parlerai après. Il y a des cajots tueurs du temps, de l'espace. On va changer de joujou, hein. Salut! Ah, c'est la première fois de ma vie que je me fais attaquer par des cajots. Y a rien de péjoratif là-dedans. Hein. C'est. Voilà. Salut! Je vais prendre du whisky. Attends, attends, attends. Voilà. Hop. Qu'est-ce que je vais pouvoir m'offrir là? Allez, on va économiser les vraies balles au cas où il y a quelque chose de pire qui arrive encore après. Oui, j'anticipe toujours le pire dans la situation. J'ai besoin de recharger les amis bientôt. Il va falloir être gentil là, et arrêter de me courir après. Ce fusil à pompe me semble adapté à la situation. Bonjour! Oh, comment ça va? Bien! Regardez l'objectif. C'est un nouvel appareil photo. C'est révolutionnaire. C'est pas japonais, non. Et oui, c'est américain. Et si c'est américain, je l'ai piqué à quelqu'un celle-là. C'est bien. C'est H. Mon cher H. Ah, il y a encore des cajots! Oh, saleté de cajot. Mais purée, plus jamais de ma vie je fous les pieds dans un marché, quoi. Ah, et je tire à côté tellement je suis... Regardez-moi ça. Mais non. Mais... Salut. Ah, ça c'est trop long. Alors apparemment, faut jongler d'armes parce qu'il y en a qui sont pas du tout adaptés à certains publics. Oui, oui, oui. Attends, j'ai un autre truc. On va chanter. Ce jeu, mes amis, c'est juste de la pure folie. Regardez les petits trucs là, je peux pas les écraser avec le pied là.
Ah, j'adore, j'adore. Annie Last Hope, vous entendez l'enthousiasme, pour moi c'est totalement validé. Je sais sur quoi je vais passer la soirée. Parce qu'il y a de l'horreur, mais c'est de l'horreur qui fait pas peur du coup. Il y a de l'action. C'est très stylisé, c'est super marrant. Donc le jeu a tout pour plaire. Plotch. Je me demande ce qui va m'arriver. J'ai un petit doute. On ne dit pas de marque. Faut vraiment tout casser hein, pour essayer de récupérer du bonus. Ah, Rubik's Cube, fantastique. Je sais pas ce que je vais en foutre, mais bon. Alléluia. Comment ça, c'est déjà l'heure de la coupure pub? Non. Si, on va faire ça, on va faire une coupure pub. Comme les vrais. Si vous voulez savoir la suite, écran pub. Les t-shirts TBG. Pas du tout ce que je dois faire, j'ai pas trouvé d'issue de l'autre côté. Et je vais bientôt plus avoir de munitions. Les amis, on va être obligé de se quitter. Pas par plaisir, pas par ennui. Juste parce que je vais mourir, je crois. Alors pourquoi je peux pas prendre un camion? Un camion, ce serait bien. Non, c'est sans issue. Ma fin est proche, les amis. J'aurais fait ce que j'ai pu pour vous montrer ce jeu. C'est. Je suis un héros, mais il y a des limites. J'ai même plus de grenades. C'est foutu, j'ai plus de munitions. Ah! Je vais. À bientôt, les amis. Ah, quelle est cette sensation étrange?